des élections au Maroc. C'est tout. Ça n'a pas de fesses. Et est-ce que t'es allé en vacances cette année? Non. Ok. De quelle ville tu viens? De Tafarsit. Et ça t'intéresse ou pas? Non, ça m'intéresse pas vraiment. Pourquoi? Parce que... Chers téléspectateurs de MRE24, aujourd'hui nous allons faire un petit micro-trottoir à propos des élections qui sont passées au Maroc le 7 octobre. Nous voulons aujourd'hui s'adresser aux MRE, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent des élections et qui a gagné les élections. Nous allons essayer de découvrir leurs réponses et s'ils sont intéressés ou pas. Venez découvrir avec nous le petit micro-trottoir. Salam alaikum, nous voulons savoir en fait de quelle ville tu viens d'abord du Maroc. Ouais, comme salam, je vais de Fès. Et est-ce que tu es allé en vacances cette année? Non. On est resté en Belgique. Ok. Qu'est-ce que tu connais de la politique marocaine? La vérité, je connais rien. Rien du tout? Tu fais pas des efforts pour rechercher ni rien? Ça m'intéresse pas, pourquoi je vais rechercher? Et pourquoi ça t'intéresse pas? Parce que je suis pas présent, je suis pas là-bas, pourquoi je vais m'intéresser à des trucs où je suis pas... De quelle ville tu viens? De Tafarsit, au Rif, dans les montagnes. Ok, c'est très calme là-bas. Très calme, ouais. Donc la question qu'on voulait savoir, qu'est-ce que tu connais de la politique marocaine? Rien, rien du tout. Et pourquoi? Parce que là on vient en Belgique et comme je veux pas trop, je vais au Maroc juste pour passer mes vacances, pour aller à la plage, pour voir la famille. Mais la politique là-bas ça m'intéresse pas. Et est-ce que tu es au courant qu'il y aurait bientôt les élections au Maroc? Non. Pas du tout. Pas du tout, t'as pas entendu parler tes parents d'Intikhaber ou quoi, rien? Non, rien du tout. J'ai pas entendu. Salam alaikum. Alaikum salam. On veut savoir qui tu es et d'où tu viens. Donc je m'appelle Rania et je viens de tout au Maroc, oui. De Tanger. Ah, t'es partie cette année à Tanger ou pas? Non, parce que c'est trop rempli. Ouais. D'accord. Est-ce que tu connais un petit peu les élections au Maroc? T'as déjà entendu parler des élections au Maroc ou pas? Non, vraiment pas. Non? Tu sais pas qu'il y a eu lieu le 7 octobre les élections? Non, je sais pas. Non. Est-ce que t'as entendu parler du premier ministre marocain ou pas? Non, vraiment pas. Enfin, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Et... À part savoir qui est le roi ou quoi que ce soit, je suis pas intéressée par ce genre de... Et pourquoi t'es pas intéressée? Parce que j'habite en Belgique. C'est quand même... Enfin... T'es quand même marocaine, tu dois savoir un petit peu, non? Ouais, mais je sais pas, quand je vais au Maroc, je parle pas principalement de ça. Salam alaikum. Donc on veut savoir, est-ce qu'il suit la politique au Maroc ou pas? Il dit qu'il ne connaît pas très bien le Maroc, mais il connaît la langue ici belge. Il est une autre même. Il va pas savoir tout ça. Il ne comprend pas l'arabe déjà. Pour tout ça aussi, il apprend le français, mais c'est pas vraiment, vraiment pour le Maroc. C'est ici. Ouais. Voilà. Donc ici, tout ce qui se passe ici en Belgique, il est au courant, mais tout ce qui se passe au Maroc, il ne sait pas. Parce que problème de communication pour comprendre. Voilà, il dit qu'il connaît bien ici, mais le problème de Maroc, je ne connais pas, voilà. D'accord, ok, merci. Ismuk ou Minti dans le Maghreb? Ismé Reda Nouaimé, j'ai le Maghreb, je suis Tanja, Mohamed Bejiga, Souane, Bafloré, Ziatan, Souane, moi, je suis en train de faire un peu de temps. Donc, Brennan, tu sais quoi est-ce que tu as dit que tu as dit le Maghreb ou non? في الحقيقة كان خبري شوية كان عندي شوية تطلعات من طرف انترنت وفيسبوك ما مشيتش ناحية أخرى شي حاجة وصافي شوية وصافي. وعارف شكون البرومي مينيستر بهذا العام؟ كيقولوا مكيان ولكن ما عرفتش شكون يديها في البلاصة ديالو. اسكي لها بون ترافاي ولا؟ اون فغيتي أنا اللي كيقولوا ما كيمشي مزيان. النابو على السرقة و Et Alesh, tu t'intéresses pas à tout ce qui est culture marocaine? Ouais, bien sûr, je suis toujours intéressé. Et je suis toujours sur internet et daiman ala tatalou ask jadid de kulchi. Parce que ça m'intéresse, parce que c'est mon pays. Et voilà, je veux que ça arrange. Parce que je vois pas qu'on est dans le bon chemin. Okay. J'espère que ça ira bien. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa tallabati. بغينا نعرفوا اسمك ومنتي من المغرب. انا اسمي فتيحه بصح انا مش مغربيه انا جزائريه مغربيه ام مغربيه وابي جزائري ومولوده بالجزائر وهران.
مرحبا. دونك بغينا نعرفوا واش ديجا اخبارك كاينه لي زيليكسيون في المغرب ولا لا؟ ايه هذيك اخبار اللي سمعنا بها باسكو نشوف بزاف المحطات المغربيه دوزام الاولى ونشوف صافي هذوك الانباء ونسمعها بها. وشكون اللي ربح هذا العام لي زيليكسيون؟ سمحت بلي كاين بالكيران هو اللي نجح في هاد الانتخابات. اي كيل اي تون افي؟ مون افي سكو فات يا لو ميم ها مشكله واحده بين شبا اللي كاين الشعب هو اللي انتخب عليه وخاصه الشباب اللي هما اللي اختاروه مليح، ولكن زعماك لكان انتخابات كما نشوفوها في نقولوا معظم البلاد العربيه هذا مشكل. توا est-ce que tu es au courant des élections au Maroc ou pas? Non pas du tout, je savais pas qu'il y avait des élections maintenant, enfin j'étais pas au courant. Et pourquoi tu t'intéresses pas? Enfin c'est pas comme si enfin ça m'intéresse pas tout ce qui est élections, tout ce qui est des pays en Afrique, enfin ça pas te dit rien. Non ça me dit rien. Salam alaikum. Azul. Êtes-vous au courant des élections qui ont eu lieu au Maroc ou pas? Ouais, j'ai entendu parler, j'ai vu un peu sur Facebook, mais j'ai pas vraiment regardé, non, j'ai pas suivi. Donc est-ce que tu sais qui est cette année le premier ministre marocain ou pas? Apparemment il n'a pas encore été désigné, non? Ils n'ont pas encore formé... Normalement c'est Ben Kerem. Bah, c'est la continuation alors. Et est-ce que vous savez en parler plus? De quoi? Dire plus de Ben Kerem même. Et de son travail. Je connais pas la personne. Ce que je sais, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a aggravé la situation. Parce que je suis parti plusieurs fois au Maroc ces dernières années. C'est trop grave. La classe moyenne pour qui ça marchait un peu, mais ces dernières années ça marche plus. Alors qu'avant on avait encore une classe moyenne qui pouvait encore tirer l'économie vers le haut. Aujourd'hui ça n'existe plus. Ils commencent eux-mêmes à perdre le pouvoir d'achat qu'ils avaient et ça sera catastrophique. Donc on voulait savoir d'où tu viens du Maroc et quel est ton nom. Je m'appelle Lamia et je viens de Tanger. Donc la question est, est-ce que tu es au courant des élections qui ont eu lieu au Maroc ou pas? J'ai déjà regardé, mais ça ne m'intéresse pas tout ça. Parce que moi, pour moi, je me dis que ça ne sert à rien. Et pourquoi ça ne sert à rien? Parce que je me dis qu'un jour, de toute façon, tout le monde va mourir. Alors ça ne sert à rien toujours d'abuser et tout. Tu vois, les trucs comme ça ne m'intéresse pas. Je me dis tout le monde va mourir un jour. Alors je me dis ça ne sert à rien tout ça. Je me dis, ça craint. Je ne sais pas, moi, je me dis, j'aime pas regarder parce que déjà ça m'énerve. Parce qu'ils font ça pour rien, alors que voilà. Donc t'es pas au courant de qui est le premier ministre marocain? Non, même pas. J'ai pas besoin de savoir. Parce que moi je viens de Belgique, je viens pas du Maroc. Je suis née ici en Belgique, sauf que je suis marocaine. Mais sinon ça m'intéresse pas vraiment. Et tout ce qui est politique ici, t'es au courant? Tu suis tout? Oui, ça oui, je suis au courant. S'il y a des manifestations, s'il y a des choses comme ça, oui, ça je vois et tout. Comme ça, je suis au courant. Parce que je vis ici, je vis pas au Maroc. Ok. Et toi? C'est Malika. Malika d'où? Marrakech. Ok. Et est-ce que tu as entendu parler des élections au Maroc ou pas? Non, moi je regarde pas parce que je trouve que ça sert à rien aussi et qu'elle a raison sur ce qu'elle a dit parce qu'on va vraiment, vraiment tous mourir un jour et Inch'Allah il y aura le jugement dernier et tout. Et je trouve que ça sert vraiment à rien, ça sert juste à parler et tout. Et ça fait que des conflits entre les gens. Voilà. Okay.